Hey Emric, t'es prêt pour nouveau Total Random? Va te faire foutre en plus, enculé, ta race, putain de bordel de merde. Attends, t'es bourré? Mais comment, mon saligo? En quel honneur? Eh ben, grâce à notre cher président et à cette grosse pétasse d'incompétent d'El Khomri, l'alcool est autorisé sur les lieux C'est quoi, ça? C'est un sandwich choton. Fous-moi ça dehors! À la bouffe, elle est illégale sur les lieux de travail! De quoi tu parles? De la loi d'El Khomri, J'étais pas en France, là, récemment, j'étais en vacances, il s'est passé quoi? Monsieur Manuel Valls a décidé d'utiliser le 49-3 pour faire passer la loi en force! Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vote de l'Assemblée, donc le ministre et le président, ils font ce qu'ils veulent. Oh. La démocratie est morte et les pingouins morts des écureuils sur les masticots d'Alaska. T'es bourré depuis combien de temps? Je sais plus. Hier, Joey Starr, il a claqué Gilles Verdez. J'imagine le buzz de demain d'ailleurs. Waouh! Quand même. Sinon, quoi de neuf dans l'actu? Bah t'avais raison, hein. Yann Barthès, il a été viré de Canal, il présentera plus le petit journal à la rentrée. Toujours écouter le barbu otaku, mec. T'as au moins préparé des faits divers pour Total Random? Des quoi? Merde, mais comment on va faire là? Toute l'équipe elle est prête, on t'attend. Et en plus, il y a cette chure d'Anouna qui se prend pour un dieu et pourquoi des gens comme Blacky, mon. Ce mec il est homophobe et francophobe et Damien et c'est une conne. C'est une grosse, inutile, matérialiste conne qui pense que 4000 euros c'est un salaire de merde. Conne! Mais c'est intéressant tout ça. Salut tout le monde, c'est Brick Savel et bienvenue dans ce nouveau numéro de Total Putain d'Enculé de Random, l'émission de la binouze. Comment ça va les gars? Très bien et toi? Voilà, Gesson là qui vient de causer avec sa voix bizarrement familière, il vient de me montrer les ressources actuelles. Laissez-moi vous dire le fond de ma pensée en plusieurs points. Oh oui, on va s'éclater là. Actu number ein. Cette foutue loi El Khomri de merde. On enregistre tout les mecs. Monsieur Manuel Valls, alors comme ça, toi et ton copain Hollande, vous voulez vous faire couler la démocratie? Vous en avez plus rien à foutre de votre peuple? Vous voulez que la France devienne communiste? Et vous espérez encore des votes en 2017? C'est pitoyable, les mecs! Mais en 2017, quand les Français iront voter, ils se souviendront! Ils se souviendront des 4 fois où le 49-3 a été utilisé, là, des nombreuses fois où vous êtes foutus de nous, et du bon quadrilliopini-millionnaire de fois que vous avez traité les Français comme des pauvres petites merdes, comme une plèbe inutile dont la vie n'a aucun intérêt, hein, et sans dents! On n'a pas une mémoire efficace. Eh ben, éphémère. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? C'est la résidu d'éjaculat Sylvester Staline? El Khomri? Cette conne! Une ministre du travail incapable de savoir combien de fois on peut renouveler le CDD, c'est comme un cuistot incapable de faire la différence entre un frigo et un congélo. Un fan de Tarantino qui connaît ni Pulp Fiction, ni Inglourious Basterds. Un peintre incapable de différencier rouge et le vert, un pédophile qui baisse des vieilles, un raciste qui n'emploie pas le mot nègre. Wow. Ah oui, pardon, faut pas dire de mot interdit, sinon le CSA il va se fâcher. En parlant du CSA, si tu parles, ne touche pas. Ma bite! Cette émission est un cancer, une horreur, une chure, un scandale. La Luna est une bite ambulante! Et pourquoi mon verre est vide? Apportez une copie collée là, c'est de l'or en barre ce qui se passe. Merci, merci. Le mec, il fait l'apologie du harcèlement, il rend ça marrant, en mode « Tous les jeunes se harcèlent et se billent du temps autour, c'est normal. » Et petite chiasse, tu te prends pour Dieu, tu te crois tout permis, mais même tes fans sur Twitter commencent à se lasser de ta gueule et ton humour de collégien qui va découvrir le cul et qui rigole dessus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie sexuelle de tes chroniqueurs, que t'as pissé sur la porte de ton principal au collège, ou sur qui t'es là-bas, larbin fantasme entre eux? T'es en train de faire de la télé-réalité! Et d'ailleurs, tu me sors de ces trucs! Comme quand t'as dit que les profs de musique, ils servaient à rien, mais mec, t'as pas de face! Il a invité Nabila aussi. La meuf sort une autobiographie écrite par quelqu'un d'autre!
Je suis complètement pété, mais j'arrive même à me rendre compte de la connerie de cette phrase, tiens. Et ce con de Cyril, là, qui fait une affaire nationale pour une petite gifle, il invite une meuf accusée d'avoir poignardé son mec à plusieurs reprises, et il passe une heure à lui lécher la schneck en mode « Oh, ma chérie, c'est horrible, l'histoire, on t'adore, t'es toujours la bienvenue, elle va finir en tôle !» Célèbre ou non, drogué ou non, stupide ou non, Nabila ou non, un crime, c'est un crime. Et tu penses quoi de leurs fans? Le vide de l'argumentaire. Ces mecs passent leur temps à parler de lui comme un dieu sur Twitter. Comme le mec le talentueux qui sort la télé. Merde, même moi, même vous qui m'écoutez, là, vous êtes plus talentueux que ce sac à foutre. Mais quand on ose s'en prendre à ce type, quand on dit ce qu'on pense de lui, les fans, ils arrivent. On est des jaloux, les rageux de son succès, des moutons qui suivent les médias. Et vous êtes pas des moutons à suivre la vie du berger puis détester la télé? Non, restez les mecs, je le cherche parce qu'il est jamais bourré. Et quand il dit tout ce qu'il pense. Les gens, ils adorent regarder le mec s'énerver. Mais puis en fait, regarde les audiences de ce point en poste. Hein? Ah oui, je sais qu'il va me tuer quand il aura des saoulés. Tiens, en fait, l'hebdo show d'Arthur que les fans de TPMP ont traité de plagiat. Mais combien de fois TPMP a plagié d'autres émissions déjà? Et surtout, vous n'avez pas inventé le talk show. Vous n'avez pas le monopole du talk show en France. Sinon, allez boycotter Ruquier. Vous avez l'air d'adorer boycotter tout ce que vous aimez pas. Comme la série Marseille, La Nouvelle Star ou Arthur. Et bien sûr, vos moutons suivront. Vous êtes la pire émission de l'histoire de la télé française. Et Enora, putain, mais ferme ta gueule, Enora. Toujours parler et à rire en fond comme une nunuche. Rien d'autre dans l'actu qui t'a choqué? Black M. Et voilà. Les pouces rouges, ils voient plus les, vous allez voir. Déjà qu'on en a pas mal. Il a été choisi pour chanter à Verdun. Le mec, il a traité la France de pays de couffard. Un terme péjoratif, ouais, pour désigner les non-musulmans de façon insultante. Un mot réputé chez les radicaux islamistes. En gros, ils nous traitent de mécréants. Et en plus, les gens ont oublié les propos méga homophobes qui nous a chiés. Genre qui veut que les puits crèvent, qu'on leur coupe la queue et tout. C'est pas lui qui a écrit la chanson. Mais alors? Il a quand même accepté de la chanter, c'est qu'il était en accord avec les paroles. Et me sortez pas, le ouais, tu t'en prends à lui parce qu'il est noir. Parce qu'un connard homophobe, qu'il soit noir, blanc, asiatique, alien, schtroumpf, elf, orc ou kajit, ça reste un connard homophobe, point. Mais ses propos datent d'il y a longtemps, tu sais. Bon, alors, suivons cette logique, hein. Et donnons une chance à un parti nazi en France. Bah quoi, ils ont fait des conneries, mais c'était il y a 50 ans, même plus, on s'en fout. Et si un pédophile veut une gamine et ressort de prison après des années, c'est bon, on oublie tout. La petite gamine, elle oublie son traumatisme. Salab d'Eslam, dans 10 ans, il se présentera aux élections et on votera pour lui en disant que ses erreurs datent donc, ne sont pardonnées. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que cette personne est forcément un saint. J'adore Travolta, mais le fait qu'il soit scientologue, j'aime pas ça. Je suis un fanboy de la PlayStation, mais Sony aille sur l'autre connerie. Je suis fan de Benzaï, mais je suis en désaccord avec pas mal de ses avis. Ça s'appelle avoir du recul et surtout se faire son propre avis sur l'actu ou sur quoi que ce soit, les mecs. Putain, j'adore quand il est dans cet état. Voilà, rejoignons Didier en direct de... J'ai de la Didier. Oui, Emmerich, je suis en compagnie du mouvement Nuit Debout et je tiens un scoop, sachez que... Merci Didier. Vous voulez un truc marrant? Je vais vous raconter le fait divers que je me suis retenu de commenter parce que quand je l'ai lu, il y a une seule vanne qui m'est venue à l'esprit et elle était tellement crade que j'ai décidé de m'auto-censurer. Hein? Oh putain, tous les micros sont lui, les gars. Ah bientôt, aussi le docteur Domkopf. Très bien, mais là on est un petit peu occupé. C'est ici le sérum contre les effets de l'alcool que Monsieur Seven m'a demandé de concevoir. Il a un ami alcoolique, voyez-vous, et pour l'aider, il m'a demandé de créer un sérum annulant les effets de l'alcool sur l'organisme de manière instantanée. Oh, bah donnez-moi la seringue et je lui transmettrai, mais là il est un petit peu occupé, regardez. Je raconterai la vanne quand mon verre il sera rempli. Là il est juste à moitié vide. Ou à moitié plein. Attendez, c'est le... Oh mon dieu les mecs, je viens de comprendre l'expression, putain. Justement, c'est le moment parfait. Il m'a dit qu'il avait passé des semaines à picoler comme un trou pour qu'on ait les sérums sur lui dès que possible. Oh non, excusez-moi. Non. Hé, Doubkopf, qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Injection. Attends. Oh merde. Oh, il semble que le sérum ait fonctionné. Le truc pour... ça a marché? Eh oui, t'avais en préparé plusieurs, c'est vous les armènes, c'est vous dès demain. Merci, Herr Dunkopf, votre accent a l'air quand même assez asiatique. Hein. Oh putain, quel grand homme. Salut Emmerich. Salut. Bon, on fait quoi là? On vient d'enregistrer le nouveau Total Random. Excellent, t'as été génial, on l'upload dès demain, t'as été parfait.
Attends, ça, je me souviens d'un truc, là. Hein? Ouais, dans le tiroir, j'avais préparé une cassette enregistrée, mais je sais plus pourquoi, attends. C'est cool. Bon, attends, elle est là. Ah, il y a écrit pour mon moi du futur. Ouais, salut à moi. Perspicace. Allez, écoutons ça. Ah, salut Eric, je suis ton toi du passé. Ne le lance surtout pas dans YouTube. Il y a un mois. Et juste pour te dire, vu le temps estimé par les docteurs pour développer le sérum contre l'alcool, il faudra tourner un nouveau total random. Tu te connais, quand t'es bourré, t'as la grande gueule, et l'ingestion de l'émission, c'est un connard. Alors si jamais t'apprends qu'un total random a été ou est en train de se faire tourner à ton réveil, tu sais ce que ça veut dire? Eh ouais, on a profité de toi. Bon, bah alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Oh, et un petit détail, pense à finir MGS5, hein, parce que si j'ai pas fini d'ici un mois, parce que celui est vraiment cool. Allez, ciao ma couille. Je vois. T'es pas fâché, hein? Je suis pas vraiment quelqu'un de violent, hein. Ni de rancunier. T'es sûr? Donc je te ferai rien, t'inquiète pas. T'en fais pas, je suis pas un monstre non plus. T'inquiète. Ah putain. Tu peux vraiment être sympa quand cela étant dit. Oh merde. J'ai vu une annonce là, on recherche des cobayes pour des expériences. Attends, voilà. Des expériences humiliantes, dégradantes, sans intérêt et potentiellement dangereuses. Voilà. Putain, mais tu vas pas m'envoyer dans un labo scientifique tordu. Je suis pas comme ça, t'es fou. Oh putain, merci. Tu vas travailler à moi, n'en touche pas à mon poste. Mais t'es un monstre! Et coupé! Gilles de Roi, le cas! Gilles de Roi, le cas! Membre honoraire de la Ligue de Défense contre les Forces du Mal! Gilles de Roi, le cas! Et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur! Pierre! Gilles de Roi, le cas! Vite ton esprit, Harry! Gilles de Roi Locard. Je suis Gilles de Roi Locard.